guerriers de Kyotve grouillent à Avaldsnes autant que des poux. Si je passe par la grande porte, je risque d'attirer l'attention. Je dois redoubler de prudence par ici. La maison longue. L'équipage devrait être à l'intérieur. Il devrait y avoir une ouverture dans le toit. Si tu gigotes trop, ma hache va riper sur ta nuque. Ce serait dommage. Si je dois mourir, je refuse de te faciliter la tâche. Thank you.
Espèce de lâche! Libère-moi et donne-moi une hache! Je ne te dois rien, fiente de corbeau. Ton clan ne compte que des esclaves et des paysans. Toi, laisse cette hache tranquille, ou c'est la mienne qui te tuera. Tu devrais naviguer vers l'Irlande sur un navire d'esclaves. Mais si tu tiens à être mon premier sacrifice, Odin sera ravi de t'accueillir. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Je vais te couper en deux. Je vais te vendre à Hel en personne. Agenouille-toi, ami des loups, et je t'épargnerai. Mais ferme-la et bats-toi. Hey, cette viande! Tu aurais dû la garder en main jusqu'à ta mort. Si je t'offre ma vie, épargne mon clan. Non. Non, Varine. Non, Varine. Prends ta hache. Tuez-les tous. Autant s'en sonner, libère-nous! Quoi? Ah, oui, bien sûr. Oh. Beau combat, merci ami beaucoup. Même si tu semblais loin d'ici. Écoutez, si vous respirez, vous pouvez vous battre. Alors reprenons notre navire. Tu n'auras pas à nous le dire deux fois.
Être bloqué depuis l'autre côté. Endliga erat gerast! Dag, Bragi, avant-rame! La voix des baleines nous ramènera! Par les dieux, ce n'est pas trop tôt! Allez, arrête de chacasser et rame! La voile, profitons du vent. Tu es silencieux, Eivor. Tu as quelque chose à dire à propos de ce désastre? Nous n'avons eu aucune perte au combat, et ceux qui nous ont humiliés sont morts. Qui aurait-il à dire? Ah, quelque chose comme... J'ai été idiot, égoïste, inconscient, entêté, et je piais. Je préfère ma version. Regarde, Eivor! Quelqu'un installe un avant-poste sur cette île. Des hommes de Kyotve. Ils grappillent toutes les terres inoccupées comme des poulets piquant le sol. Même avec toi un pied dans la tombe, nous pourrions les battre.
Tu vas souffrir, et longtemps. C'est bon, on a ce qu'on voulait. Allons-y. Montre-moi. Eivor, hvað er það að sjá þig? Hissez la toile! Yodbé nous traquera maintenant, de manière encore plus impitoyable qu'avant. Ce n'est pas une grande surprise. Cette guerre dure depuis 3 générations. Je ne m'attends pas à ce qu'il abandonne. Ta haine envers cet homme te consume tellement qu'on pourrait s'y réchauffer les fesses. Je ne préfère pas des braies en peau de phoque. Méfie-toi, Ivor. Ce genre de haine peut pousser à l'erreur. Ce qu'il a fait à ton père, il nous l'a fait à tous. Ce combat n'est pas seulement le tien.
Le roi Styrbjorn te reprochera d'avoir fait fi de ses souhaits. Je m'y attends, oui. Et ce n'est pas quelque chose qui t'inquiète ? La seule chose qui m'inquiète, c'est que le roi comprenne trop tard que j'ai raison. Et Sigurd ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Il était là, Sigurd serait assis à côté de toi, à essuyer le sang de sa hache et à sourire au baiser du vent. Et que comptes-tu dire au roi au sujet de cette mésaventure ? Toute la vérité. Nous avons attaqué la forteresse de Kyotve, tué ses hommes et affaibli son emprise sur la contrée. Vas-tu mentionner que tu as perdu ton équipage et failli être vendu comme esclave ? Un bien joli passage pour ta saga ! Bien, Skald s'avise de chanter cette histoire, il ne chantera plus grand-chose après. Arrêtez le navire! Eh bien, celui qui nourrit les corbeaux est de retour, et pas à moitié mort. Nous pensions t'avoir perdu, Eivor. Pour de bon, cette fois. Ton accueil est toujours aussi chaleureux, Renvi. Tu ressembles à un vieux morceau de viande. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a pas grand-chose à dire, sinon que ceux qui nous ont retardés sont morts. Et de ton côté ? Tout va bien, même si j'ai passé de mornes journées à calmer les accès de rage du roi. Il est mécontent de toi. Je m'y attendais. Et Sigurd, est-ce qu'il est revenu de sa campagne ? Mon mari aurait dû être de retour aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, il approchait de Stavanger. Heureux de l'entendre. Son courage nous sera utile. Sigurd ne te protégera pas de la colère de son père, Eivor. Tu devrais commencer à le savoir. Ton attaque ne s'est pas passée comme prévu ? Rien ne se passe jamais comme prévu. Mais nous avons tué de nombreux guerriers de Kyotve. Et j'ai trouvé la hache de mon père parmi les morts. Ah ! Après toutes ces années, tu devrais la porter à Gunnar. Il rendra à Salam son tranchant. Bonne idée. Après être allé voir le roi. Ah, ça, je te le déconseille. Il reçoit en ce moment un messager venu du Nord. Je peux attendre. Tu sembles préoccupé. Quelque chose ne va pas ? Retrouver la hache de mon père 17 ans après, cela a réveillé quelque chose en moi. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis le jour de sa mort, lorsqu'on m'a donné ceci. Des souvenirs de souffrances passées, tristesse et douleur. Je devrais aller parler à Valka. Elle pourrait m'aider à mettre de l'ordre dans mes sentiments. Prends le temps qu'il te faudra. Nous nous reverrons à la Maison Longue. On dirait que tu as perdu ton tranchant, Eivor. Comme cette hache. Gunnar pourra peut-être arranger ça. Je te tiendrai au courant.